Hop là. C'est quoi ce bruit? Ah d'accord. Wouah, c'est nul. Action. Bienvenue sur NES. Oui. Je peux sauter? Ah oui. T'inquiète, c'est bon, là, on comprend le jeu. Allez, hop. C'est en honneur, sacrément nul. Ah, attends. Mais... Attends. Les jades en général, elles sont pas mal. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de perdre mes moyens, mais c'est normal. Oh. Ça, j'ai vraiment horreur des meufs sur Tinder qui sont françaises et qui mettent des descriptions en anglais. For my YouTube channel. C'est vraiment forçage absolu. Isaac, on est d'accord, il faut que je saute et que je tape. Bah, je pense. Enfin, pourquoi ça marche pas? J'ai pas le temps de faire les deux. Et pourtant, je fais les deux. Va à gauche pour voir. Ah non, c'est pas ça. Non. Moi, bah, je sais pas, c'est de la merde, hein. Bah, il y avait 1000 trucs là, attends. Fais main menu. Faire main menu. L'idée, c'est que tu fasses plein de scènes de films en fait. D'accord. C'est ça le truc. Donc, il y en a qui sont plus ou moins ici. Il y a Alfredo encore. Bah, okay, là, il jouait Alfred. C'est en fait. Ce que j'ai fait. Il a pris Alfred. Alors, on va prendre Immunator. Voilà, donc à chaque fois, c'est un ah, peu. Ah, bah voilà, d'accord. Bah, t'as un parti pris différent c'est à chaque 1000 fois. 1000 jeux en un en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. D'accord. Ah, c'est moi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis dans le noir et il faut pas que je me fasse attraper. Mais. Moi j'ai envie de te voir jouer à ce jeu toute la nuit. Eh oui. Bah oui, mais c'est trop galère, attends. Tu fais comment après? Ah oui, c'est bon. Ah, elle revient jamais la lumière. Non. T'es juste attends, coincé. Non, mais j'attends là. Il y a une meuf qui fait sa ronde. Mais non, elle était encore là, putain. Bon, main menu, vas-y, teste. Alors... teste tout. Il y a beaucoup de choses à tester, hein. Ah, on va tout tester. Sword. GeForce. Oh, un shooter. Tu vas te régaler, hein. Ça, c'est votre jeu vidéo, non? Ouais, c'est ça, c'est sur le jeu qu'on a fait. Attends. Je recommence. Quoi? Ça, c'est leur jeu? Mais disons que ça ressemble à ça. C'est Vampire qui a... Ah, c'est pas l'autre. Ouais. Tu tires. Mais mets-toi plus vers le bord de gauche hein, pour ce genre de jeu. Je dis ça, il se met sur le bord de droite. Non, mais plus tu te mets au fond, plus t'as le temps de voir les trucs arriver et donc de viser et pas te faire tout ça. Ah. C'est sacrément nul. Ouais. En fait, c'est 1000 jeux nuls en un. C'est un bon concept. Ah oui, t'avais joué au Silver Surfer. Je m'en souviens maintenant. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ok. Illuminator. J'ai déjà fait. D'accord, je saute avec X. Tu contrôles vraiment les pires personnes. En fait. C'est pire en pire. Hein. Plus les jeux avancent, plus c'est pire en pire. Ça me fait vraiment bander. Hein. La musique est pas mal. D'accord. Oh. Tu peux te fixer là-dessus. Excellent. Excellent. Conclusion, excellent.
Action 52, moi je suis convaincu. Et ton chapeau, Alfred, tu t'en bats les couilles, tu marches dessus. Non, je marche pas dessus. Oh, chapeau Ricard. Vas-y, tu... Ah, on va prendre un perroquet. Ah, t'as le perroquet, là. On boit plus d'alcool. C'est terminé. Alfredo. Alors, French Baker. Tous les jeux sont des blagues, hein. C'est un truc de fou. Hein. Oh là là. Je suis en kimono, là. À l'enfer de chaque jeu. Bon, putain, le déplacement, c'est une machine. Hop. Bon, déjà, ça m'a l'air un peu plus abordable. Pour moi, hein, j'entends. Ça, c'est le meilleur truc. Bon, vas-y, change. Non. Arrête de persévérer, ça. Ça a aucun intérêt. Tu vois bien que ça a aucun intérêt. Regarde cet écran. C'est moche. Je trouve que ça a beaucoup d'intérêt. Franchement, regarde, pour l'instant ça va. Hein. C'est les. C'est pas grand chose, mais pour l'instant ça va. Il y a rien qui... Regarde, attention, le secret, tu vois, c'est. De regarde partir... pas l'écran, ça fait bader. Mets-moi ça, regarde, ça fait bader. Je dis déjà, regarde pas l'écran, tu vas rentrer dans un vortex. Franchement, c'est pas si. Dans le vortex. C'est pas si mal, hein. Alfred, il a vraiment perdu toute exigence au fur et à mesure. C'est toujours le même jeu. Mais Alfred, son premier jeu, c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça bug. Il a été directement mis en condition. Ah, voilà. Après, regardez, j'ai buté tout le monde. C'est pas le... Je comprends quand on joue chez moi. C'est pas sans ça. Je t'ai envoyé la photo d'un magnifique canapé qui m'attendait. Mais mets-toi des coussins sous le cul. Hein. J'ai fait pour ça. Hein. Il y a un canapé à plan cabane qui n'attend que toi, Isaac. Canapé à plan cabane. Bah viens, on va prendre un canapé. Mec, il y a un canapé à la Mausson. Mais c'est vrai, les mauvais vibes. Regarde-moi, Isaac. Bon, c'était très bien. Un air mystérieux. Garde un air mystérieux parce que j'ai un décompte de 7 secondes. 4, 3, 2. Ah, Megalovania, très bien. Yes. C'est exactement le même shooter. Megalovania. Ouais. Franchement, si j'ai un enfant, je le laisse devant ce jeu. La journée. Si j'ai un enfant, mec, je l'appelle Alfred. Et je le mets devant ce jeu, il fait tous les mini-jeux. Tu sais, en fait, je l'enferme, tu vois. Je l'enferme chez moi pendant des années et quand il a 6 ans, tu vois, je lui dis en fait, la vie, c'est un test et il faut finir ce jeu pour pouvoir commencer la vie, tu vois. À partir de 6 ans. À partir de 1 an. C'est quoi ça? J'ai perdu là? Ah oui, t'as perdu. Oh. Par contre, là, la musique. Elle... Alfred, tu rends fou. Bon, la musique, elle veut rien dire. Il fait des records de Game Over sur tous les jeux. Mais Atmos quoi. Mais Sharks. Ah oui, Sharks. Ouais, Sharks. Chill Out, c'est ce que t'as testé ou pas? Non, moi j'ai testé. C'est sympa comme Chill Out. Ça donne envie. Oh, Sharks. Il faut que t'évites le. Ouais, il faut éviter le requin. Mais il y a autre chose à faire, j'imagine. Parce que non, sinon... non. Non, faut éviter le requin. Ah, tu peux. Ah, si, il faut les détruire. Tu peux le buter. Tu contrôles une planche humaine, mec, c'est trop banal. Mais non, mais tu fonces sur un requin. Attends. Ça met vraiment pas bien. Oh là. Non, mais j'ai pas à les tuer, hein. Pourquoi je les buterais, franchement? Bah, il faut que tu gagnes quand même. C'est en l'île de la Réunion qui a produit et financé ce jeu. Action 52. Je suis sûr qu'il y a une critique sur son critique de « Ce jeu est incroyable. » Je pense pas. Hein. Il a bercé mon enfance. Sergent Pepper, il a fait une critique sur Sharks. Hop. Surtout quand vous jouez à Sharks, c'est exceptionnel. Ok, allez, chill out. Chill out. De toute façon, on va tous les faire. Attends, je contrôle qui là? C'est pire, c'est une prise en otage là. On va tous les faire. C'est un pire en pire, c'est même plus un personnage que tu proposes. Il clignote et tout. Il n'y a plus rien qui va. On dirait, tu sais,
les monstres dans, dans Silent Hill, là, les gros monstres blancs, ils avaient comme ça le dos comme ça courbé. Franchement, ça on dirait vraiment Louis de Funès, donc pourquoi je peux en dire Louis de Funès. C'est Louis de Funès. Ah, c'est des Louis de Funès. Pas parfait. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, c'est trop tard. Chier. Quoi? Mais. 23h, 23h, Romain. Je regarde s'il y a des concerts sympas. Je pense à devenir fou. Quoi, tu t'amuses pas là? Bah là, on s'amuse. Je m'amuse, mais je m'amuse, mais en même temps, je sens que je suis sur le point de la mort. Non, aussi. En fait, il faut pas tomber. J'ai sauté. C'était vraiment une mauvaise idée de donner la main à Mette, Alfred, pour jouer à des jeunesses. Oui, en plus, c'est des jeunesses, des jeux super durs. C'était mauvaise idée de non, ça passe sur ce truc où tu vois les événements déjà. Enfin, on peut dire. Ah, c'est Mama Sound. Ouais. Mama Cheat. Mais... Je comprends pas comment tu fais pour ça. Vas-y, mets un autre truc là. Tant pis. Là, il faut enchaîner, il faut du rythme. Mais Illuminator. Change carrément j'ai de jeu, moi. Illuminator. J'ai déjà fait Illuminator. On a des jeux infinis là. Et French Atmos. Baker. French Baker. Mais French Baker, j'ai déjà fait. French Baker. Il y a une soirée old school avec Digital. Mais non, pourquoi tu veux ça là, on est en train de jouer. Il est trop chaud là. Pourquoi Il y a Chantal Goya au Zénith. Il y a Chantal Goya au Zénith. On joue à Action 52, on n'a pas le temps. Mais Until Hill. Est-ce que j'ai déjà fait? Non, il me semble pas. Non. Ah, yes. Alors. Pour l'instant, c'est le moins moche. Parfait. Il y a un truc, tu vois. Bon, les ennemis font n'importe quoi déjà, mais. T'inquiète, c'est bon. Plus ça avance, plus c'est horrible. Il y a la boum du blackout, c'était hier. Mais. C'est dommage, il y avait une bonne ambiance là. Ah ouais, ça va pas avoir. Mais on dirait qu'ils l'ont limite volé à un autre jeu, tu vois. Ça, ils savent pas faire ces graphismes là. Mais putain. Ça rend. T'arrives à rien, Alfred là. Fais ouais. Quelque chose. Tu peux sauter, j'imagine. Essaye des boutons, en même temps tu n'utilises pas les boutons. Bah bien sûr que j'utilise les boutons. Là le fantôme en fait il est pas dans la bonne direction où je peux le buter. Regarde-moi ça. Pour l'instant, c'est catastrophique. Pour l'instant Alfred Gaming ça va être compliqué. Hein. C'est Alfred No Gaming. Alfred Game Over. Alfred Gaming Over. C'est regardez un mec qui galère pendant 2 heures. Qui passe pas le niveau. Hein. C'est pas qu'il passe pas le niveau. C'est des sessions pas... enfer. Les 10 premiers mètres du niveau. Hein. Mais saute mon gars. Là, regarde. Là, c'était beaucoup mieux. Tu vois que tu peux sauter. Mais non, mais je sais que je peux sauter, mais bah, ça servait à rien de sauter. Ah si, tu servais pour être à la hauteur du fantôme que tu veux, sur lequel tu veux tirer. Oui, non, mais tout à l'heure ça marchait pas. Il est dans le déni. Il a aucune. Bah, on reviendra le soir. Mais non, Mongol. Ça faisait... On le voyait depuis une heure. Et en plus, à la place de tirer, t'as sauté. Alors que l'état t'as... Alors qu'on t'a dit, retourne. Bah, il y a trop de boutons à prendre. On n'a pas dit, saute. Bah, c'est Burger Time. Un jeu où il faut faire des burgers le plus rapidement possible. Vas-y, Alfred. Burger Time. On peut faire 2 joueurs. On met un seul joueur parce que j'ai pas mis 2 manettes. T'es ready? Les jeux sont tout le temps fatigués. Alors attends, ça. Alors attends. Hop là, Burger Time. Ah oui, d'accord. Alors là, le pain et ça, c'est des méchants ou pas? Je sais pas, je comprends pas. Voilà, fais tomber les burgers. Non, parce que j'ai déjà joué à Overcooked, mais là, c'est un peu différent. Oui, c'est bon, c'est pas. Attends. Oh là là, c'est vraiment. Je comprends rien. T'es déjà pas bien là. Je peux pas. Ah, d'accord, alors attends. C'est pas des échelles, des trucs bleus et tout hein. Bah, si tu avances et que tu appuies sur A, ça les fait dégager. Mais non, j'ai cru que c'était des échelles, mais ça marche pas. Je comprends pas alors. Et comment tu fais tomber les trucs?
Bah, je crois que ça va simplement en marchant. En fait, il vaut mieux aller tout en haut, comme ça tu... Ah mais oui, mais En haut, ça fait une réaction. Tu peux aller à gauche. Ouais, mais regarde, ça change à chaque fois, en fait. Tu peux aller à gauche, là. Tu peux aller à gauche. Si, normalement, si. Des fois, ça bug. Attention. C'est un jeu vraiment d'abruti. C'est un peu comme Pac-Man, mais en mode nul. C'est vraiment nul. En vrai, moi je peux pas aller à gauche en fait. Je pense que si tu peux aller à gauche. Non. Faut juste se mettre pile poil dessus. Ouais. C'est au pixel près. Ça doit être ouais, un truc de merde vu que c'est mal codé. Ouais, voilà, c'est ça. Et comment je fais tomber? Ah, c'est bon, t'as fait un burger là. Ouais, t'as fait un burger au moins. Parfait. Mais là t'es coincé là, ils sont tous infernales. Ouais, non mais je vais réessayer quand même, j'essaie de faire les 4 burgers. C'est ce genre de jeu, il va tryhard. Non mais ça te donne. Tryhard, il va faire un mongol à faire son burger. Ouais, je veux faire mon burger, mes burgers. Ah, on peut jouer à deux. Ouais, mais il faut deux manettes. Il n'y en a pas de manettes. Mais si, il y en a avec le joystick. Ah, mais c'est chiant, faut-tu brancher. Merde. T'as cassé quoi? J'ai cassé un verre. Oh, trop chiant. J'ai fait Victor là. Ça coûte toi, tu t'emballes pas les deux. Putain, mais je pensais pas du tout qu'il allait se casser en plus. Ouais, ça se casse tout le temps. C'est pour ça qu'à un moment, j'en avais plus des verres en verre. En fait, toutes mes sets, il y a toujours quelqu'un qui finit par casser. Désolé. Bah attends, lève-toi parce que ça, pour le coup. Moi, je me balade tout le temps en chaussettes, donc on va peut-être éviter. Il y a un morceau ici. Il y en a tout le temps un peu partout. Pendant que l'autre, il fait ses burgers. Pour ma burger. Ouais, il y a des petits morceaux. Il y a des moments où tu peux vraiment plus rien faire. Mais oui, oui, ça. Prends un balai, non, mais prends pas avec les mains, mec, tu vas te couper les mains. Non, fais pas avec les mains, j'ai un balai. Pire. Le balai, je prends. Pire, je remettrai un coup de main. Le seul problème, c'est que ça se. En fait, ça se casse et ça s'éparpille vraiment partout, quoi. À se loger parfois à l'opposé. Attends, que d'un plus. Les aléas du direct. C'est bon, tu t'en sors? Ah ouais, tu t'en sors bien, ça. Il va vraiment tryhard. Écoute, là, il a fait presque 3 ans. Il va rentrer chez lui, il va remettre le jeu du Moi, ça peut être aussi, hein. Il y a un côté une satisfaction à faire les burgers, tu vois. C'est vrai, on va compléter le truc, pourquoi pas. Je pense que je vais rentrer chez moi, je vais faire un Real Dino Killer gaming sans Real Dino Killer. Tu peux faire Alfred Gaming, hein. Non, tu le poses sur TechnoRocket. Non, c'est plus rigolo de faire Real Dino Killer sans Real Dino Killer. Tu mets sans Real Dino Killer. Là, si tu peux le faire. Putain, c'est dur cette merde. On peut faire tout ce qu'on veut. T'as tout chopé là? Ouais, je pense que j'ai tout. Donc, j'éviterai de me balader en chaussettes, je vous passerai un coup demain. C'est bon, allez, c'est pas. Je sais que c'est un peu. C'est pas trop dramatique, Isaac. Quoi? Ah putain! T'as pas un aspirateur? Quoi? T'as pas un aspirateur? Non, malheureusement. J'aimerais bien en avoir un. Eh ben c'est bon. Ça serait tellement pratique d'en avoir un. Ah, t'as plusieurs vies, d'accord. Oui, parce que je me suis dit, tu reprends exactement là où. Non, je viens de comprendre en fait, tant que t'as pas game over, c'est que tu peux mourir. L'objectif, c'est que tu le fasses au niveau là. Ok. Petit non, accident. Bah, je te rachèterai un verre. Hein. Bon, de toute façon, c'est un set que j'ai acheté dans la boutique tout à 2€. La raison de plus. Ça m'a pas bien coûté cher. Hein. À 30 centimes c'est le verre. C'est histoire de déploiement, ouais, ouais, c'est juste vraiment pas cher, c'était bien. Eh, hey, mais t'es pas mal. Ouais, c'est débrouillé bien. Hein. Il a compris la méta du jeu. Merde, putain, t'aurais dû monter en haut. Ouais. Et bon, ouais, je recommence derrière la scène. Ah, faut le faire, là. C'est l'exploit. Sinon, on fait chacun une vie. Chacun. Ah, ça élimine les ennemis? Ouais. Ça, c'est pas mal par contre. C'est une bonne idée.
là, ils t'ont mindé de ouf. Chaud. Mais ils sont trop bien codés en fait, c'est ça, et c'est trop des bâtards. C'est pour ça que c'est dur. Ils sont trop rapides aussi. C'est qu'il faut vraiment être pile poil. Ouais, il faut être sur le sur la ligne. Mais je me doutais que c'était ça. C'est de la merde, mon gars. Ouais, c'est pas terrible. Il faut jouer à Bugs Bunny, c'est mieux que ça. C'est ça en bien. Et t'as pas de projectile ? Ils sont vraiment stressants, ces hommes saucisses. Tu passes sur la voiture. Non mais là il attend et... Ah non, je croyais que t'allais faire un groupement et balancer le pain sur eux. Ouais. Je me suis dit tu les élimines tous d'un coup comme ça. Là c'est pas mal, du coup il les fait tourner un peu en bourrique. Ouais, ils sont assez loin de lui, ils sont tous regroupés. Faut gérer la bande d'abrutis. C'était trop risqué ce que t'as fait. Ouais. Faut être plus patient, je pense. T'es presque. Mais ouais, tu es presque intéressant. C'est chaud. Ah, t'aurais pu le faire. C'est vraiment des bâtards, hein. Ils sont vraiment codés comme des fils de pute. Hein. Se contourne bien à chaque fois. Yes, 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 oui. Voilà, parfait. Oh là là. C'est bon, un burger de fée. Quel champion. Il a masterisé. C'est horrible, mais je sais si tu me poursuis. C'est vraiment un cauchemar, en fait. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est chaud. Ils sont flippants, en plus, hein. Ah là, tu peux pas échouer là. Pourquoi il est pas descendu? Fallait le traverser en entier. Ah. Merde. Oh, je vais mourir. Je viens de me rappeler que la première fois que j'ai joué, si je passais très vite dessus en appuyant sur A, je pouvais buter les ennemis. Ah, il m'a assumé. Bah ouais, ce que je me disais, normalement t'as toujours un petit projectile dans ce genre de jeu. Ouais, c'était comme si tu... Ah oui, ouais, voilà. C'est voilà. Comme si tu leur jetais du sel. Du coup ça devient un peu moins... Mais je crois que tu peux pas le faire de manière illimitée. Hein. Non, je, fais... je pense que vu que c'est un vieux jeu un peu chiant, faut le faire bien à l'avance. Mm. Faut bien timer ton truc. Non, ça va. Oula. Oh, infogramme. Joujou. Perroquet là. Je suis en train de me hyper le perroquet. Oh. Je commence à saturer. Hein. Pourquoi que les pires jeux donc. Là il comprend rien, il nous fait genre s'il est confédéré ou. C'est la guerre de sécession ça non? Bah oui. Ah oui, double nom. Tu savais que c'était ça? Oh non, arrêtez les maps, quoi. Ça, il suffit de cliquer sur une région et le jeu commence. Tu sais, tu peux choisir de jouer le sud. Bah apparemment, oui. Ah. Oui, c'est quoi l'intérêt? Tu joues le nord, là, quand même. Bah vas-y, go attaquer, mon gars. Bah c'est ce qu'on va faire, mais... Oh, c'est chiant, faut le sectionner. Hop, à l'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Les chevaux, ils sont fous. Mais non, mec, tu laisses passer les ennemis, là. Je comprends rien.
C'est qui Isaac en fait? C'est le bleu. Et pourquoi ça tire pas quand je veux tirer? Tu contrôles quoi là? Ouais, j'ai des bonhommes apparemment. On se fait déboîter hein. Là les sudistes ils sont en train de niquer maintenant. Mais ils sont forts! Les sudistes sont beaucoup plus forts que nous. Allez, tue les chevaux là! C'est de l'art contemporain! Mais on peut changer. Ah, d'accord, on peut changer comme ça! Bah attends, j'y vais là. Mais c'est rigolo en fait! Moi j'aime bien. On a gagné! Ouais. C'est bon. Ils sont nuls les sudistes. Hein. Nuls à chier. Mais c'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est bon, ça nous appartient maintenant. Bam, plein de fric. Pourquoi je peux pas y aller? Yes. Les chevaux, ils font vraiment baler dans les yeux. Les animations, elles sont dingues. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Hein. J'ai rien compris. Vas-y. D'accord. Mais c'est quoi? C'est quoi le concept? Je comprends rien. C'est bolosse, hein, vous. C'est juste qu'on me fait bolosser. Tu te fais manger par le chien. Appuie sur A, mon gars. Mais il se passait rien quand j'ai appuyé. Le chien, il a rêvé, mec. C'était Fanny, chez l'ami, tu vois. Oh, il te reste 5 vies, mon gars. Prends l'échelle, non? Tu peux pas. Mais ça veut pas. Non mais il faut que t'ailles tout droit en fait, tu peux rien faire. Ouais, ouais, y'a rien dans le jeu. J'ai pas de projectiles. T'as plus de devis mon gars, t'as des projectiles, tu lances des trucs. Non. Ouais. Je vais balancer sur A et ça marche plus. Non, t'es mort. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, putain. Mais attends, mais... Ah, t'avais du temps pour réussir. Incompréhensible. En train de te faire bolos. C'est reparti. Ah yes, ça on aime. Mais il te reste qu'un cheval et deux bonhommes. T'as plus de soldats. C'est la fin. Hein. C'est la fin. Hein. C'est vraiment mon jeu préféré au final. Ils ont... Ils étaient vraiment bien. Go recommencer. Hein. Oh mais on en fout, mec. Franchement, c'est parfait. Jules, tu prends les choses en main. Bah, ça fait un bon jeu pour finir, hein, c'est fini. Que c'est fini? T'en peux plus. Là, on va faire un karaoké. Ah non, moi je peux continuer, mais vous vous êtes blasé là un peu. Non. Oh. Alors, Jules, on peut plus, il se décompose. Hein. Et là, t'as mis un ordinateur en fait. Ouais, faut que tu te mettes en player. Vas-y, je vais essayer, ça a l'air amusant. Enfin, je kiffe juste voir les chevaux se déplacer. Mais la partie map, elle, c'est un peu rigolo, tu vois. J'ai pas trop compris. Si c'était bien fait, ça serait rigolo. En fait, avec B, tu changes les unités, et avec A, tu te déplaces, et avec A, tu tires, tout simplement. Ouais. Donc tu peux sectionner les chevaux, sectionner les bonhommes, et faut essayer de perdre le moins de troupes possible. D'accord. Après, tu fais barrage sur les militaires qui arrivent, c'est ça? Bon, ça, au début, je comprenais pas, parce que je voulais tirer au canon, et ça marchait pas, parce que j'avais pas l'unité des canons. Mais par contre, les levels là avec le train où tu te déplaces, ça c'est vraiment de la chiasse. Hein. C'est vraiment nul la chiasse. Ils auraient dû faire juste des mini-maps comme ça. Ouais, mais c'est pas mal comme ça. T'as un gameplay différent à chaque fois. Non, pourquoi des pas, phases mais de jeu différentes. Bon, le problème c'est qu'ils sont ratés quoi, les autres. On en a testé qu'un. Donne... Comment tu changeais entre les chevaux et les soldats? Bah, c'était juste sur X. Hein. Tu tirais avec A? Ouais. Moi j'adore la musique de ce moment. Oh,
Oh, je me suis fait défoncer. Mais ils sont forts, hein, ils sont super forts. Il te reste plus que 3 chevaux là. Ah, ça va être chaud. Yes! Moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça la guerre en vrai. C'est ça, express. J'ai plus de quoi attaquer les chevaux. Mais en fait, tu peux juste te barrer de la map, c'est ça? Oh, faut se battre, hein, faut se battre. Bah non, regarde, Jules, il s'en sort très bien. Non mais c'est fini, je suis mort. Ah, tu t'es fait tabasser au premier niveau, toi? Ouais, mais j'ai encore un soldat, t'inquiète. Fais mission d'infiltration. Bah, en fait, je pense que si tu regroupes les deux soldats sur la même case, tu cumules les deux armées. Et moi, je m'en prie, je me suis fait cash défoncé, tu vois. Mais moi, j'avais peut-être cumulé les deux armées, en fait, que je les avais sur la même case, je crois. Parce que toi, t'as pas beaucoup de troupes, là. Ah, c'est vendu. Putain, t'as tout sorti. C'est bon. Ils ont tué tous mes chevaux. Ah, mais j'ai compris, c'est marrant en fait. Ouais, c'est marrant. Ce truc de bataille, c'est marrant. Mais oh, je l'ai tué là. Il me reste 2 soldats par contre. J'ai plus de canon non plus. J'ai gagné normalement. Ouais. Yes. Normalement, quand tu gagnes, quand tu bats un ennemi, tu devrais récupérer un peu des. Ouais, des militaires. Ça, c'est à moi. Mais à chaque fois que tu croises les chemins de fer, tu te fais de la thune, je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être c'est les réapprovisionnements. Ça, j'ai pas compris ces niveaux. Mais à ce moment-là, tu pourrais être réapprovisionné en. Ils sont vraiment immaniables. Putain, ils m'ont niqué un territoire. Ils sont trop de thunes là, moi j'ai. Non, mais j'ai plus de. Juste un. J'ai même plus de cheval en fait, j'ai juste. Mais t'as juste un soldat, c'est tout. C'est tout. J'ai deux soldats. Par la guerre là. Mais allez, montez. Il veut pas monter. Ça va, oh. Les deux soldats ils s'en sortent bien. Oh. Ils sont encore en vie. Ah, c'est dommage. Ah, il faut recommencer. 2 contre 4, franchement, c'est faisable. Mais en 1v1, ça doit être un peu marrant. Ou alors en 2v versus le CPU, tu vois. Je sais pas si je pense pas, je pense que c'est vraiment que du face à face. Putain, mais. Yes, guerre. Alors, cette fois, je vais pouvoir contrôler vraiment pas mal de soldats, etc. Je suis caché, défoncer tous mes chevaux. Putain. Je pense qu'il faut les planquer les chevaux. Yes. La gare ferme. Putain. J'espère le micro capte ça. On pourra le mettre dans les filets. Nous informons que la gare va fermer. Putain. Oh, il me reste un soldat. Et la catapulte quand même. C'est beau ça. Un seul soldat face à la catapulte. Yes. Oui. C'était laborieux. Faut aller se rendre. Comment on passera le taille?
Je crois que le train il vient toujours leur donner de la thune, je comprends pas. Parce que tu te déplaces pas là où il faut te déplacer. Peut-être parce qu'ils sont dans leur territoire. Oui, mais moi. Peut-être que si tu gardes un gars dans ton territoire. Je sais pas. C'est ce que je fais, mais il se passe rien. Mais t'as essayé Select, il n'y a pas un petit truc d'option, j'en sais rien. Après, leur thune, alors ça sert à quoi concrètement? Je sais pas. Bah, putain, quand t'as assez d'argent, en fait, tu débloques un nouveau personnage. Et ouais. C'est profond. Ah, parce que c'est eux qui contrôlent la gare, en fait, c'est pour ça. Mais peut-être que Isaac, tout à l'heure, il essayait de reprendre la gare, non? Ouais, je sais pas. Lui, j'ai pas compris. Hein. Tu vois les points rouges? Non, j'ai juste couru après un train. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Ah non, mais je fais encore aggro, quoi. Ouah, je fais boss. Star Tropics. Bon, je passe. Comment je passe en fait, je comprends. Je sais pas. C'est incompréhensible ce niveau. Ça ferait m'énerver. Putain, ils m'ont pris le territoire quoi. Ils sont plein de thunes. Ah, c'est reparti là. C'est vraiment une blague. Ça, tu t'en sors pas aussi. Hein. Mais comment je passe? J'essaie d'aller sur les murs, il se passe rien à chaque fois. Regarde, là, je peux plus passer, Emile de Boss. Tu peux pas sauter pile poil au bon moment par-dessus le mur. Non, saute. Comment sauter? X. Non, mais quand t'es sur le mur, tu peux pas sauter. X. Oh putain. Yes. Oh là là. Quelle horreur. Casse-toi. Mais c'est une blague. C'est impossible de livrer ça. C'est impossible. Ils sont trop surexcités. Le mieux c'est que t'as le mec qui te tire dessus et après il y a son chien. Après il y a le chien qui arrive à 200 à l'heure. Son chien il t'achève. Bon, on va faire une bataille là. Et ça ne pue la gare. Faut leur voler la gare. T'as deux pélos quoi. C'est un drame, c'est vraiment un drame. Hein. C'est bon, attends, il te reste la catapulte. Ah, ouais, t'as le canon là. Ah, yes. Trop fort. Oh, pas mal. Tu te démerdes. Tu hein. peux buter n'importe qui à toi tout seul. Je suis mort. Oh non. C'est vrai, putain, ouais. Tu te démerdais bien. Hein. Ouais. Oula, ça va être compliqué là. Hein. Oh non, pas ça. Je te jure, moi, ah, je vais attention, arriver. Attention. Oh mais... Pas ça. Mais arrête de m'agresser comme ça. Je me sens vraiment... J'ai l'impression de... Franchement, je me sens vraiment mal à l'aise. Tu me fais agresser en boucle. En plus, c'est même pas un chien agressif. C'est une espèce de... De corgi, là. Putain, c'est l'enfer. Casse-toi, le chien. Mais laisse-moi vivre, quoi. C'est vraiment une blague. Hein. Ta mère. Mais ça me rend fou, là. Mais les gens...
En fait, tu les vois pas arriver parce qu'ils ils se téléportent mais directement. Ils vont trop vite et surtout ils vont 200 à l'heure, mon gars, c'est incroyable. C'est n'importe quoi que ça soit aussi rapide. T'atomise. Là, c'est un territoire que tu pourras jamais voler. Ouais, il va falloir que je le fasse. Hein. Non. Non, parce qu'après, je vais perdre mon tour. Ah, mais c'est bon, j'ai avancé en fait. Du coup, t'avances en fait à chaque fois, ça. C'est il faut aller super vite, oh, regarde. T'es derrière le timer. Hein. Yes. Yes. Mais non, c'est un décor, hein. C'est juste un décor. Et la porte est entrouverte. Bah ouais, mais c'est pour faire joli. Laissez-moi tranquille, là. Putain, laissez-moi tranquille. Je vais monter l'échelle. Vous vous rendez fou, sale chien de merde. Mais je vais monter l'échelle. C'est vraiment un sketch. J'ai jamais vu ça. Bon, je me saoule. Je peux pas avancer. Mais... je vais... Laisse-moi tranquille, putain. Oh. Mais tu fais pas de... Putain. Tu fais juste... La vidéo, ça se résume à cette session. J'en veux vraiment plus, là. Mais on ça va me conquérir tout mon territoire. On met que cette session, putain. Tu mets que cette phase de jeu. Oui, je mets que cette phase de jeu. Je ne fais bonos en boucle. On va faire la guerre. Ah, la bataille. T'as des troupes là ou pas? Ouais. Ah, ça va, ça va. Oh, mais il est tout seul, lui. Ouais. Bon, tu veux l'atomiser. On a vu la dernière fois que le canon, ça pouvait être puissant. Bah, il en a une. Il en a une aussi. C'est cool que tu vois sa barre aussi. Bon, j'en ai ras le cul là. Allez! Il est improbable. Bah, tu veux mon canon? J'ai gagné en tout cas. Bon, ça va. Il a abdiqué. Mais c'est bon, il se met grave bien. Non, go retourner à la gare. Hein. Oui. Go refaire la même chose. Oh là là, il a deux canons. Ouf. Tu peux être protégé là dans ces petites bâtisses là. Je sais pas. Ouah, tu me restes que des chevaux. Bon, bah c'est la fin. Hein. C'était donc ça la garde, c'est ça. J'ai gagné. Hein. T'as rien gagné du tout. T'as rien gagné. C'est bon, là j'ai gagné. Il te restait deux chevaux. Bon. Parfait. Ouais, t'as parfait. Protégé. Bah, il a protégé les deux chevaux. Mais non, ils sont morts. Ils sont morts. Il a perdu les chevaux. Bon, bah, c'est mort. Il a perdu la guerre en 13 mois.